Salam alaikum, Azulfillawen, bon jour. Automne 1968, je m'en souviens comme si c'était d'hier. Nous étions dans notre quartier, mon ami Koukou et moi, Chouki Gharib, Saha Koukou. C'était le matin, nous devions partir au lycée, chacun de son côté, quand trois adolescentes attirèrent notre regard. Elles étaient habillées d'une bien étrange façon. Une longue robe bleu clair et un foulard bleu foncé sur la tête. Nous avions pensé d'abord que c'était de jeunes sœurs catholiques, sourettes comme on disait. Mais elles étaient trop jeunes. Et puis, c'était des filles de chez nous, visiblement. Nous ne comprenions pas le pourquoi du comment de ces uniformes, j'allais dire. Parce que c'était la première fois que nous en voyions. Et nous n'étions pas les seuls à être étonnés. Toute la ville s'interrogeait. Nous finîmes par avoir le fin mot de l'histoire. C'était des filles de l'Institut islamique, Al-Mahd l'Islami, qui venaient d'ouvrir ses portes. En automne 1968. Et nous venions de voir le premier hijab qui venait pour la première fois de l'histoire du Maghreb de faire son apparition, non pas seulement en Algérie, mais dans tout le Maghreb. Le décor était planté. Plus tard, quand je fus en âge de farfouiller un peu, j'eus plus de détails. En fait, pour contrebalancer les effets pourtant modestes des communistes algériens de l'époque, les paxistes, et qui finirent par passer avec lui un bien curieux deal, celui du soutien critique, Boumediene avait décidé d'implanter des instituts islamiques dans le pays, quelques-uns, dans les villes les plus importantes. Et il avait tout importé en kit d'Égypte, y compris les programmes, l'architecture des instituts, y compris les enseignants, y compris le fameux hijab dont il avait fait venir le patron du Caire par avion et qu'il avait confié à la Sonitex pour confectionner le hijab dont le port allait devenir obligatoire pour toutes les élèves du sexe féminin qui allaient fréquenter les instituts islamiques Al-Ma'ad Al-Islamiyya. C'est ainsi que le premier hijab fit son apparition dans notre pays. Avant, dans les quartiers populaires et à la campagne, un peu partout au sein de la société algérienne, la majorité des femmes portaient le voile traditionnel. Mlaya à l'est, Tahaïk dans l'Algérois, Ksa, Bououina à l'ouest, Melhfa au Sahara, dans les Aurès, la Kabylie, le Hogar, des tenues traditionnelles mais qui laissaient le visage découvert. Et de plus en plus de femmes, dans les villes surtout, s'habillaient à l'occidental. On disait à l'époque « civilisée ». Mais c'était sans aliénation aucune. Les femmes, comme les hommes par ailleurs, qui s'habillaient ainsi, avaient le sentiment et donnaient l'impression de rester eux-mêmes et elles-mêmes, des Algériens pétris de leur propres valeurs, baignant dans leur islam apaisé, sans pour autant tourner le dos à une relative modernité. Ils étaient tous très élégants, malgré le peu de moyens de l'époque, mais sans ostentation. Les gens étaient emplis de leur propre identité. Personne ne parlait français à ses enfants, par exemple. Mon père, qui s'exprimait dans un très bon français, ne nous parlait jamais dans cette langue, ni personne d'autre de mon entourage d'ailleurs. Et tout le monde respectait les choix vestimentaires des autres. Dans la rue, les femmes voilées et les femmes non voilées se côtoyaient sans problème, sans animosité aucune. Dans la même famille, des sœurs portaient ou non le voile traditionnel. Et même dans les salles de spectacle, théâtre, cinéma, concert, cirque, parce qu'il y avait du spectacle à l'époque, et le bonheur de vivre. Il y avait des femmes de l'une et l'autre catégorie, voilées ou non, accompagnées de leurs époux ou non.
une grande tolérance, une maturité née des années de lutte, une réserve et un respect mutuel qui confinaient à la pudeur. Nous étions des taiseux. Nous pesions nos mots, nous ne parlions pas beaucoup. Ce n'était pas encore la mode de la tonitruance, les djihadistators et les érodicators n'étaient pas encore sortis des plis du régime. On est bien loin aujourd'hui de la vocifération. Tout à l'heure, sur ma page Facebook, j'avais publié un billet sur ce sujet qui a suscité de nombreuses réactions. Je vais vous en lire deux, aux antipodes l'une de l'autre. La première est signée de Henni Mohamdi Bouzina, je le cite. « Non, le voile n'est pas un vêtement, négation de la féminité, il est devenu un enjeu idéologique et un instrument de domination politique. » La seconde est de Saïd Aït Koufi, je cite. « Je te respecte, mon ami Jamaldine Benchinouf, mais je ne suis pas d'accord avec toi. J'aurais pu être d'accord avec toi si nous sommes dans un pays non musulman où l'islam n'est pas religion d'État. Mais chez nous, personnellement, si j'avais le pouvoir, je n'accepterais jamais une femme non voilée dans les institutions de l'État. C'est mon avis et je rêve, etc., etc., etc. » Voilà. Aujourd'hui, nous allons voir les journaux suivants. L'Obs, le plus. Islam et laïcité. Interdire le voile au nom du droit des femmes, c'est une tyrannie. Par David Simard. France Télévisions Info. À Annecy, la police distribue des tracts aux femmes intégralement voilées. Le Temps. Les Tunisiens pour l'interdiction du port du voile à l'école. Par Salah Ben Hamadi. Avec nous aujourd'hui, par ordre alphabétique comme d'habitude, Rebha Attaf, journaliste, grand reporter, Noum Ben, consultant et blogueur, Hanan Karimi, sociologue, et Hassina Zegzeg, militante, société civile. Rebha Attaf, vous êtes avec nous. Bonsoir, Jamaluddin. Bonsoir, Rebha. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bah, j'ai accepté au pied levé. Pardon ? J'ai accepté au pied levé. Eh bien voilà, merci en tout cas. Rebha, pourquoi cette grande polémique sur le port du voile ? Pourquoi nos sociétés ne laissent-elles pas la latitude aux femmes de décider si elles veulent porter le voile ou non ? Eh bien moi, j'ai une réponse en trois points, en fait, Jamaluddin. D'abord, de préciser que dans l'absolu, le voile correspondait à un code social et culturel. Je m'explique. Dans l'Égypte ancienne, par exemple, les seules femmes qui étaient voilées étaient les femmes de la haute société. Les paysannes ne portant, comme dans tout le reste du monde paysan, que ce soit le monde arabe ou ailleurs, qu'un fichu sur la tête pour protéger leurs cheveux des travaux des champs. Bon. Ensuite, ce voile-là s'est entre guillemets massifié. Il a été petit à petit imposé au reste de la société. Et le problème aujourd'hui du voile, c'est que, comme vous l'avez dit, il a été fortement idéologisé et que dans ce cadre-là, les femmes sont devenues vraiment les otages d'un affrontement entre laïcistes et islamistes. Et donc, il faut restituer cette pratique pour ce qu'elle est, c'est-à-dire une pratique sociale correspondant à des codes de différents milieux, en général des milieux conservateurs, et conservateur ne veut pas dire non éduqué. Vous savez que j'ai beaucoup vécu en Égypte, et Dieu sait ce qu'en Égypte, par exemple, dans des milieux à fort capital éducatif, on retrouve beaucoup de femmes voilées. Voilà, donc ça c'est le premier point. Je voulais le rappeler pour préciser que de mon point de vue, mais ça c'est encore en débat chez différents théologiens musulmans,
Le voile n'est en aucune façon une obligation islamique, contrairement à ce qu'on nous dit le plus couramment, et qu'il n'est pas le marqueur de la foi de la femme. Voilà. Par contre, je pense qu'il est un marqueur du rapport Rabha Attaf, aux femmes. Rabha Attaf, est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends. Quand vous dites que le voile n'est pas d'obligation canonique, moi je reste dubitatif, parce qu'il y a des gens qui disent tout à fait le contraire. Et comme vous n'êtes pas une exégète... Oui. C'est en débat chez les théologiens, par exemple, à l'Institut de théologie de l'Azhar, il y a tout un courant qui écrit beaucoup là-dessus, en expliquant que le voile n'est pas une obligation dogmatique, et qu'en aucun cas, par exemple, dans le Coran, il n'a été précisé de couvrir sa tête, il a été précisé par contre de couvrir les parties sexuellement attirantes de la femme, mais qu'en aucune façon, le cheveu, qui est commun aux hommes et aux femmes, n'est une partie sexuelle. Mais Rabha, comme nous ne sommes pas des exégètes, et qu'en la matière, nous ne sommes pas autorisés à émettre de tels avis, je préfère qu'on laisse ça aux gens spécialisés. Nous, on voit ça sur le côté, par rapport au côté sociologique, sociétal, et même politique. Alors, à la limite. Au côté sociétal, je vais vous donner des exemples de la pratique que j'ai eue du voile dans différents pays. En Égypte, par exemple, les musulmans se voilent et les chrétiens ne se voilent pas. Ça veut dire que quand vous vous baladez dans la rue, comme je l'ai fait moi, non voilée en Égypte, dans certains milieux, on vous prend automatiquement pour une chrétienne. Donc ça correspond vraiment à des pratiques sociétales et à pas autre chose. Et par contre, ce que vient de poser la question du voile, elle vient éluder d'une façon fondamentale la question du droit des femmes, parce que le vrai problème dans nos sociétés, c'est celui du statut qu'on accorde aux femmes, et notamment de leurs droits et de leur citoyenneté. Or, je trouve ça dommage qu'on se focalise sur un bout de tissu, alors que le débat devrait se situer au niveau des droits des femmes, mais aussi des droits du citoyen tout court. Oui, restez avec nous, Rabha Attaf. Oui. Restez avec nous. J'accueille Noum Ben. Noum, merci d'être avec nous. Je vous en prie, Jamal. Merci. Alors, Noum, au Royaume-Uni, là où je suis en ce moment, il n'y a quasiment pas de débat sur la question et encore moins de polémique, parce qu'il y a une grande tolérance sur le sujet. Les autorités britanniques en sont arrivées, par exemple, à tolérer le port du voile dans la police. Des femmes policières portent le voile, le hijab, sans aucun souci. Et l'administration leur fournit même le voile pour que ce soit uniforme, si vous voyez ce que je veux dire. Or, alors qu'en France, où vous vous trouvez, c'est quasiment la guerre. C'est une guerre de tranchées, c'est chacun dans... C'est exactement. Alors, je vous en prie, qu'est-ce que vous en pensez, vous qui vivez en France ? C'est exactement, je confirme tout à fait ce que vous venez de dire, parce que moi-même, j'ai visité l'Angleterre et je vis en France depuis plusieurs années, donc c'est tout à fait vrai. Et puis, tout d'abord, salam alaykoum à vous, aux téléspectateurs et aux invités. Le problème, il est complexe et très complexe, parce que comme vient de le mentionner l'invité juste avant, c'est un problème historique, sociologique, théologique, statistique, mais la résolution, la solution est politique et uniquement politique, donc juridique. En France, l'essence du problème, c'est que la France, elle est politique. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'en France, il y a trois grands pôles de politique. Il y a ce qu'on appelle les républicains, il y a les socialistes, et puis il y a le Front National. Donc 66%, donc chacun représente plus ou moins un tiers de la société. Donc 66% de la population française est islamophobe. Donc en fait, elle a un problème avec l'islam. Et ça revient à l'histoire. On peut revenir encore en arrière, on peut revenir par exemple aux chevaliers et aux croisades. Donc ça, c'est essentiel à comprendre. Enfin, c'est très important à comprendre pour comprendre pourquoi la France a cette phobie de l'islam. Je peux vous citer un sondage de l'IFOP qui date de mars 2013, où les Français ont été interrogés et ils disent à 63% être contre le voile dans la rue, donc dans les lieux publics, et à 84% dans les lieux privés, c'est-à-dire le problème que vous avez cité par rapport à l'Angleterre où le voile il est toléré dans les administrations, dans les bus, dans le monde professionnel. Pourquoi ? Parce qu'il y a un problème identitaire. C'est l'identité qui est l'essence de ce problème-là.
Pourquoi l'identité? Parce que, et pourquoi c'est important? Parce qu'il y a certains voix qui vont dire ce problème de cette polémique du voile, comme la polémique de l'alcool, par exemple, comme la polémique des mangeurs de lampagne, comme celle de Derrida récemment avec Madame la Ministre. C'est des problèmes futiles qui ne méritent pas d'être regardés. Ben non, en fait, c'est pas du tout des problèmes futiles. Et la preuve, c'est que la France, sous Sarkozy, a mis en place le ministère de l'identité. Donc ça, c'est une première. Ça montre l'importance de l'identité dans les peuples. Et là-dessus, il y a tant de choses à dire, donc je ne sais pas combien il me reste de temps, mais... Noum, moi j'aimerais, pour essayer de comprendre, à la limite, le citoyen français blanc, j'entends, le français. De souche. À la limite, parce que islamophobie ne veut pas dire la haine de l'islam, ça veut dire la peur de l'islam. À la limite, ce Français blanc qui voit des gens débarquer chez lui, s'habiller d'une autre façon, alors qu'ils sont nés chez lui quasiment, il les voit se transformer, adopter quasiment des uniformes qui sont pour lui autant de signes de ralliement inquiétants, qui dégradent son cadre de vie habituel. Est-ce que ce n'est pas une réaction à la limite, si ce n'est légitime, du moins compréhensible? Tout à fait. Tout à fait, je confirme, tout à fait, c'est une réaction à une action. Oui, voilà. En France, quand on vous parle, ça le dérange de point de vue visuel, ça le dérange, ici nous sommes un pays de droit. Et là, ici en France, on parle en termes de droit, on ne parle pas de ça me dérange ou ça ne me dérange pas, là c'est une analyse. Donc là on parle de l'information, même si ça le dérange, normalement il n'a pas le droit de m'interdire de porter mon voile si j'ai besoin de porter un voile, comme il n'a pas le droit de m'interdire de ne pas porter de voile si je n'ai pas envie de porter de voile. Donc là-dessus, il y a une explication, enfin, il reste une explication à se confirmer, c'est qu'il faut savoir qu'en France, depuis le Moyen-Âge jusqu'au fin du 19e, les femmes, elles étaient interdites de rentrer dans les églises, par exemple, sans se couvrir la tête. Ça, c'est une information. Je vous confirme, moi, dans mon enfance, quand j'étais à Batna, mon Batna natal, à l'église, on avait une église, les femmes arrivaient pour la messe, elles portaient toutes des voiles sur la tête, ou alors elle le ramenait dans leur sac et arrivait à l'église, elle le mettait avant de rentrer à l'église. Ça, c'est un témoignage personnel. Très bien. Moi, je l'ai lu dans les livres. Je ne sais pas, je n'ai pas vécu, mais merci de votre confirmation. Voilà. Donc, comme je disais, mais pourquoi aujourd'hui ça se perd? Donc, on pose la question, pourquoi maintenant les Français rentrent dans les églises et ils ne portent pas de voile? Ben, tout simplement parce qu'ils perdent le christianisme. Parce qu'aujourd'hui, le christianisme vient d'être remplacé par le laïcisme, si je peux me permettre. Pas remplacé par rien du tout. En fait, il est remplacé par la Déclaration des droits de l'homme. Ils n'ont plus de règles théologiques ou quoi que ce soit. Donc, justement, Noum, je vais vous demander de rester avec nous. Je vais revenir vers vous dans un instant. Vous venez de prononcer un mot-clé. Vous parlez de, non pas de laïcité, mais de laïcisme. Et j'aimerais vous entendre nous expliquer pourquoi la laïcité, qui au départ était une tolérance, une séparation de l'Église et de l'État, mais une tolérance de tous les cultes, est en train de se transformer en islamophobie. Je reviens vers vous dans un instant. J'accueille Hanan Karimi, sociologue, qui est avec nous sur Skype, qui est avec nous pour la première fois. Merci d'être avec nous, Hanan Karimi. Merci à vous de m'avoir invité. Merci. Alors, Hanan Karimi, vous vivez en France, en Algérie? C'est ça, exactement. En France. Alors, quel est votre point de vue, votre vision sur... ce phénomène de société, j'allais dire. Alors, vous parlez donc de la question du voile ou de l'islamophobie? Du voile. Oui. Alors, disons que pour le voile, il faut recadrer les choses et les resituer au niveau historique. On est dans une population française qui est, nouvelle au niveau de l'immigration, donc une première vague avec des papas qui viennent travailler, une deuxième vague qui est celle du regroupement familial, et ensuite donc des enfants qui sont issus de ce regroupement familial. Et qui sont nés en France. Absolument. Oui. Et donc c'est là que cet islam qui était invisible, parce que c'était un islam des pères, hein, un islam des caves, devient visible avec la réislamisation finalement de ces filles d'immigrés nord-africains. Donc avec, j'allais dire,
une double caractéristique, c'est-à-dire déjà celle d'une génération précédente qui était silencieuse, donc des parents silencieux quant à l'histoire coloniale, donc qui pèse finalement sur l'identité de ces jeunes filles et puis de ces jeunes hommes aussi, hein, parce que les problèmes sont autres pour les enfants d'immigrés nord-africains. Et donc, l'islam qui devient un référent, finalement, identitaire très fort, hein, qui fait lien avec le passé, et donc finalement une inscription. Vous voulez dire que les jeunes ont l'impression qu'ils sont en train de se réapproprier une identité en s'affichant avec ces attributs vestimentaires? Alors, le problème n'est pas en fait le vestimentaire. Hein. L'islam, c'est quelque chose qui structure. C'est quelque chose qui, c'est une religion qui, dans le contexte historique post-colonial, est fort, permet de s'identifier, permet de s'ancrer au niveau historique, au niveau culturel. Et donc, on a des jeunes, en tout cas les jeunes filles, si elles se mettent à se voiler, c'est pas tant pour exprimer leur religiosité que par le fait que ce soit une obligation religieuse. En tout cas, c'est comme ça qu'elles l'ont appris dans les représentations sociales, hein, de la bonne musulmane. Oui. Sur un plan plus concret, ça se passe comment, cette affirmation de soi, cette affirmation de son identité, de vivre sa religion de façon visible, dans la rue, dans la société, est-ce que ça passe? Est-ce que ça casse ? Ça casse beaucoup. Ça casse beaucoup, contrairement à l'exemple qui était donné juste avant avec... c'est vous d'ailleurs qui l'avez donné, hein, l'exemple, en Angleterre, où ça ne pose absolument pas de problème. En France, il faut savoir qu'une femme, quand elle porte le voile, quand elle décide, une jeune fille décide de porter le voile, elle signe presque à 95% une mort sociale, en tout cas une étape très douloureuse dans sa vie sociale, parce qu'elle va être rejetée, elle va être stigmatisée, elle va être renvoyée à une vision des femmes qui ne lui appartient pas finalement. Et c'est là que dans notre émission, ce qui est intéressant, c'est de finalement revenir à l'histoire coloniale et cette histoire de la bataille d'Alger, où finalement le voile était un enjeu colonial. Et le fait de le retirer était aussi un enjeu colonial. Donc on a mis en scène des femmes qui se dévoilaient pour dire « regardez comment on se civilise, regardez comment on s'émancipe ». Et donc ça renvoie à cette histoire-là qui n'est pas digérée ici en France. Dans le même temps, Karima, moi je me rappelle, dans la bataille d'Alger dont vous parlez, bien Karima, je me trompe, Hanan Karimi, excusez-moi. Je vous en prie. Dans le même temps, moi je me rappelle la bataille d'Alger, avec Jamila Bouhiret, Jamila Boupacha, les grandes femmes de la bataille d'Alger n'étaient pas voilées. Et elles n'étaient pas voilées pour cause. Elles n'étaient pas voilées parce que la subversion du code vestimentaire leur permettait d'être des actrices révolutionnaires qui passaient inaperçues ou en tout cas qui facilitaient leur action radicale de révolutionnaires algériennes. Parce que sous leur haïk, elles étaient sûres d'être fouillées. Alors que quand elles s'habillaient à l'occidental, eh bien, elles ne l'étaient plus. Non, mais dans leur vie de tous les jours, elles n'étaient pas voilées. Et même après l'indépendance, celles qui ont survécu, Rabbi Khalihem, ou celles qui sont mortes, Rabbi Rahamem, elles ont continué à ne pas porter le voile, à s'assumer, sans complexe, comme étant des femmes libérées, mais qui n'étaient pas contre le voile pour autant. Absolument, absolument. Et c'est toute la question, c'est quelle liberté on laisse aux femmes finalement? Quand on leur interdit de se voiler ou quand on les oblige à se voiler, quelle liberté on laisse aux femmes, individus, de faire leur propre choix finalement dans leur vie? Et ce sera l'objet de la prochaine question que je vous poserai sur comment on est arrivé à ce rôle de femme otage. C'est la seule quasiment qui ne s'exprime pas sur la question. Dans une polémique où les hommes des deux côtés du trottoir sont en train de s'affronter, alors que la femme, justement, qui aurait dû avoir son mot à dire, est complètement absente, invisible du débat. Restez avec nous, Hanan Karimi. Je reviens à Rabah Attaf. Hassina Zegzeg, malheureusement, nous n'arrivons pas à la joindre, qui aurait dû être avec nous. Rabah Attaf, Hanan Karimi vient de nous expliquer un peu cette situation très délicate, pour le moins,
très pénible de la femme musulmane en France, avec ce grand problème de laïcité qui est devenu un problème alors qu'il n'aurait pas dû l'être. Comment vous-même qui vivez en France, vivez cette situation ? Alors, j'aimerais d'abord donner un petit certificatif. Il se trouve que je suis issue de l'immigration, donc de qui parlait Madame Karimi. Oui. Donc, des parents qui sont venus très tôt travailler en France, nous qui sommes nés en France, donc la deuxième génération d'immigrés. Et je peux vous affirmer qu'à mon époque, le voile n'existait pas. Il est apparu concrètement dans les années 80 avec l'arrivée des tabliris, c'est-à-dire un mouvement piétiste qui nous venait du Maroc et qui ont fait le regroupement familial, c'est-à-dire le regroupement familial des Marocains qui voilaient leurs petites filles. Ça a été, moi je me souviens à l'époque, j'étais jeune, j'étais étudiante, et j'ai été choquée, je vous le dis, j'ai été choquée de voir des gamines voilées. C'est la première fois qu'on en voyait. Nos mères s'étaient adaptées, donc elles portaient des tenues vestimentaires longues avec un foulard, elles avaient un foulard Chanel sur la tête, c'est-à-dire qu'elles n'avaient pas d'uniforme. Elles passaient partout à l'époque sans choquer personne et en respectant la tradition sociale et familiale de notre milieu. Elles étaient couvertes et donc elles circulaient dans les administrations, elles allaient dans les écoles et aucun Français n'avait de regard hostile à l'époque. L'hostilité est venue, je le dis bien, avec l'idéologisation. Ça a correspondu quand même à des temps très forts. Donc on a eu toute la vague, effectivement, de la révolution iranienne qui a fait sa déferlante aussi en Occident. Il ne faut pas oublier ce choc en 1979 avec la montée des ayatollahs et des mouvements piétistes qui ont fait leur entrée en Occident, notamment en France, le tablir, et qui a commencé à imposer des codes vestimentaires à la fois pour les garçons et pour les filles qui allaient de pair avec une certaine idéologie. Donc, mais Rabha Attaf, moi qui suis beaucoup plus vieux que vous et qui connais la France peut-être avant même que vous ne soyez né, je n'ai pas souvenir, je venais en France souvent, je n'ai pas souvenir de ces Marocains dont vous nous parlez qui imposaient le voile à leur petite fille, sauf chez tous les Maghrébins de l'époque qui venaient de régions rurales, qui imposaient quelques-uns, mais c'était vraiment une infime minorité. Donc je ne pense pas que ça puisse... Je situe à partir des années 80 et avec une grande résurgence dans les années 90. Vous n'avez pas vécu en banlieue comme moi, Jamal Adine. Moi, je parle de vécu, de concret, de l'arrivée de mouvements piétistes, de la constitution de petites mosquées ou de salles de prière un peu partout. C'est tout ce mouvement-là qui a accompagné... Oui, mais c'est venu du Maghreb d'une façon générale. Ce n'est pas venu du Maroc. C'est venu du Maghreb. À l'époque, c'était la grande vague d'islamisation des années 70-80. Ils étaient marocains. Oui. Que vous voulez que je vous dise dans mon coin, là où j'ai grandi, c'est-à-dire à Nanterre, à Gennevilliers, à Colombes, etc., les tabliris étaient des Marocains. Les petites salles qui s'ouvraient, c'était des tabliris qui ouvraient des salles et qui étaient marocains. C'est une réalité sociologique que je ne peux pas nier. Ce n'est pas une vérité sociologique pour tout le monde, puisque moi, je ne pense pas comme vous. Mais bon, vous assumez ce que vous dites. On a des expériences différentes. Voilà. Restez avec nous, Rabha Attaf. Restez avec nous. Rabha, restez avec nous. Noum Ben, cette histoire de laïcisme dont vous nous parliez. Oui. Tout d'abord, si vous permettez... Allô, vous m'entendez ? Oui, on vous entend très bien. Si vous permettez, je voudrais revenir sur ce qu'elle vient de dire, Madame Attab, à l'instant, oui. Où elle parlait des années 70, comme quoi il existait déjà en France, qu'il n'y avait pas de voile. En fait, elle a parlé des années 80, je crois, hein, mais ça ne fait 80, rien. 80, encore, d'accord. Okay. Ouais. Écoutez, il faudrait savoir que là où il y a de l'islam, il y a le voile. Là où il y a l'islam, il y a des lettres arabes, c'est des choses qui vont avec l'islam, c'est l'identité de l'islam, partout dans le monde, de la Chine jusqu'en Asie. Donc de dire une chose pareille, je ne peux pas tolérer d'entendre ça. Parce que si elle parle, on est dans l'anecdote. Et l'anecdote, on n'est pas ici, donc j'imagine, si on fait une émission, c'est pour dialoguer, pour apporter des solutions, pour pas écouter chaque expérience personnelle de chaque personne. L'expérience personnelle, ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est la société. Donc je reviens, tout d'abord, est-ce que vous me demandez au laïcisme? Donc comme je disais tout à l'heure, donc si j'imagine votre question, c'est me demander le remplacement du christianisme par le laïcisme. C'est bien ça? Oui. Ce que vous allez vous demander. Oui. Mais je voulais savoir comment la laïcité, qui au départ était un principe
de cohabitation des gens et de séparation de l'Église et de l'État est devenu presque un dogme, presque une religion à elle-même. Exactement ça. En fait, le laïcisme, on se cache derrière. En fait, il faut savoir qu'il y a toujours la bonne raison et la vraie raison. Le laïcisme, c'est quelque chose dont, quand je parle de laïcisme, point de vue républicain, dans une république, je prends l'exemple de la Turquie, par exemple. La Turquie, c'est une république laïque, mais où tout le monde cohabite, il n'y a pas de problème. Je prends l'exemple de l'Andalousie pendant 8 siècles, où tout le monde cohabitait, il n'y a pas de problème. Mais là, ce qui se passe en France, c'est qu'on nous dit on est laïque, on est une république où tout le monde peut vivre, les droits c'est pour tout le monde, mais concrètement sur le terrain, c'est exactement ce qu'elle vient de confirmer la première intervenante, où elle dit une fois la dame porte le voile, elle perd sa place sociale. Et c'est quelque chose qu'on va retrouver partout. Non seulement elle perd sa place sociale, mais en plus de ça, elle ne peut même pas l'exprimer. Parce que quand on veut exprimer le débat qu'on a la chance d'avoir avec vous dans votre chaîne, on peut s'exprimer vraiment librement, en France, ça n'existe pas. Au contraire, on va nous ramener des soi-disant des musulmans qui on va voir à la télé sur les chaînes francophones habituelles, qui ne représentent aucunement l'islam, qui n'ont rien à voir avec l'islam, aucune connaissance, dont le plus diplômé d'entre eux ne parle même pas français correctement, et qui nous disent voilà l'islam, voilà votre islam, et on va lui ramener en face de lui quelqu'un d'autre. Donc le musulman français ne se retrouve pas dans cette élite qu'il représente aujourd'hui. C'est ça le problème. Alors qu'en Angleterre, pour revenir à votre question du départ, l'Angleterre, elle était beaucoup plus intelligente parce que l'islam, elle l'a ramené de son côté. Je cite l'exemple de l'immense savant, qui est dans le monde francophone, c'est le numéro 1, c'est Tariq Ramadan, qui a été, il faut le savoir, il a été un consultant chez Tony Blair. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de problème chez vous. Aujourd'hui en France, Tariq Ramadan, c'est quelqu'un qui est combattu. Quand je dis combattu, c'est pas combattu par le fusil, c'est le combat aujourd'hui, c'est les médias, c'est les journaux, c'est l'opinion publique, c'est le lobbyisme. Et donc c'est ça la pré-résolution, c'est le débat. Mais pourquoi on ne nous donne pas la parole pour pouvoir s'exprimer en France? C'est ce qu'on demande. On demande juste de pouvoir exprimer nos points de vue. Et pour revenir à un autre point très important, c'est la question théologique. Parce qu'on avait, traité, on a survolé, mais j'ai entendu quelques indices là-dessus. Et il faut savoir que le voile en islam, c'est un fondamental. Mais après qu'il soit noir en entier ou peu ou je ne sais quoi, ça c'est du détail. Mais la femme, selon ce que je comprends du texte arabe, c'est qu'il faudrait que la femme couvre les cheveux et couvre sa tête. Après, si elle ne le fait pas, rien ne l'oblige. On n'est pas dans l'obligation de l'obliger. L'islam est une religion de paix. Le mot islam, c'est la paix. Donc il y a de l'autre côté. Allô? Oui, mais personnellement, comme on a essayé d'inviter des gens qui maîtrisent un peu ce sujet, on n'en a pas trouvé. Donc moi, je préférais qu'on ne s'engage pas trop sur ce terrain glissant parce qu'on n'est pas assez armé pour pouvoir savoir ce qu'il en est en fait. Tout à fait. Donc nous pouvions rester sur... Mais restez avec nous, Noumben. Je vais essayer de revenir vers vous dans un instant. Hanan Karimi, une réaction à ce qui vient d'être dit. Alors, ma réaction, c'est d'abord de sourire au fait qu'on dise que le voile est un fondamental en islam, parce qu'on retombe encore exactement dans ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire entre ceux qui disent la femme fait ce qu'elle veut, mais c'est fondamental, donc si elle ne le porte pas, finalement, elle pêche. Et puis, ceux qui leur disent, quand vous vous voilez, finalement, vous êtes des femmes soumises et puis vous vous empêchez de vivre en société, alors que c'est la loi, c'est les lois et c'est les individus qui font qu'on interdit aux femmes d'exister socialement. Alors après, sur la critique qu'avait fait l'autre femme du panel, Rabha disait quelque chose. Alors, on a entendu pendant toute la polémique sur le voile, et ça je veux resituer de là où je parle. Je suis sociologue, vous m'interrogez sur les femmes musulmanes voilées, donc j'ai décrit finalement de manière assez générale le parcours de ces jeunes filles issues de l'immigration qui se sont voilées dans les années 90. Et effectivement, en 90, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que quand les trois jeunes filles à Creil, les trois collégiennes se voilent d'un voile très traditionnel qui ressemble au voile de leur mère. Et donc là, on ne peut pas empêcher finalement ce qui est les représentations sociales d'être héritées par les filles. Eh bien, on a quelque chose comme une sorte de panique morale au niveau médiatique et politique. Et on veut interdire dans le temple de la République, qui est l'école, eh bien, ce voile qui finalement renvoie à quelque chose qui est banni, qui est combattu en France. Et qui est le rappel historique de finalement de la lutte entre l'Orient et l'Occident, entre l'islam
l'islam du Maghreb et puis la croix chrétienne. Hein, on est là-dedans avec les missionnaires français qui venaient, chrétiens qui venaient au Maghreb. Alors, ensuite, j'allais dire effectivement qu'au niveau politique, quand dans les années 90, il y a cet emballement médiatique et politique, qu'est-ce qui se passe? Ben, il se passe que les frontières symboliques, les frontières entre les groupes, eh bien, se rigidifient, se cristallisent. Et donc, le fait de porter un voile devient un marqueur, finalement, eh bien, presque d'inscription dans un certain groupe. Donc, ça devient un marqueur malgré nous, parce que ce qui l'a fait, c'est finalement le débat politique. Mais Hanan Karimi, pour en revenir à la question que je vous avais indiquée, pourquoi la femme, qui est la première concernée en la matière, puisque c'est elle qui le porte ou qui ne le porte pas, est absente quasiment du débat et que sur le terrain de l'affrontement, nous avons d'un côté des salafistes extrémistes qui font feu de tout bois et de l'autre des éradicateurs, des laïcisants qui font feu de tout bois, chacun pensant que c'est lui qui a raison, que c'est l'autre qui a tort. Et la femme est tout à fait invisible, inaudible dans le débat. Oui, et d'ailleurs, on lui sur la capacité d'agir à cette femme, parce qu'elle a fait un choix autonome, par exemple. On ne parle pas de celles qui sont obligées, hein, ça existe, mais on ne parle pas de celles-ci, on parle de celles qui ont choisi de s'inscrire dans ce culte, dans cette manière de pratiquer le culte, parce qu'on peut le pratiquer d'autres manières. Mais en tout cas, pour celle-ci, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe qu'il y a ceux qui nous disent politique à l'appui, politique étrangère à l'appui, bah, qu'elles sont juste des pantins de salafistes ou d'iraniens, ou sous leur voile, il y a une idéologie politique, on l'a vu avec Ni pute ni soumise, par exemple, qui en ont fait leur cheval de bataille, c'est-à-dire de combattre ces femmes voilées qui étaient autonomes, cultivées, etc. Et de l'autre côté, eh bien, ces musulmans orthodoxes qui nous expliquent que bien, la femme est honorée en islam, mais qu'il faut qu'elle reste voilée et qu'il faut qu'elle reste dans une vie domestique balisée, bien cadrée, bien surveillée. Absolument. Et donc, pour finir, excusez-moi, eh bien, en fait, on a face à deux extrêmes qui ont la même logique d'action, c'est-à-dire qui dénient aux femmes toute capacité d'agir, et qu'ils veulent les laisser, qu'ils veulent leur montrer leur chemin de l'émancipation. Donc d'un côté, dans une vie familiale dans laquelle bien, elle a une place que les hommes décident, et de l'autre côté, où, comme vous le disiez tout à l'heure, le blanc occidental décide de sa manière d'être femme en société française. Et là, c'est juste inadmissible. Si on parle de liberté des femmes, c'est juste inadmissible. Restez avec nous, Hanan Karimi. Je vais faire un dernier tour de micro, puisqu'il nous reste un peu moins de 4 minutes. Rabha Attaf, une réaction, un dernier mot. Oui, alors une réaction, ce que je voulais dire qui est fondamentale, c'est que ce n'est pas hasard si en 89, on a parlé de l'affaire du voile. En 89, c'était à Aubervilliers, et les deux filles concernées étaient des converties. C'était les filles de Laurent Lévy, en fait, famille de convertis, qui d'un coup, effectivement, affirmaient une appartenance néophyte à l'islam, à l'intérieur donc du temple républicain qui est l'école. C'est un point de détail mais qui a son importance. Et c'est pas un hasard si les médias ont sauté là-dessus parce que ça venait sonner le glas du mouvement des enfants d'immigrés seconde génération qui s'est battu depuis plus de 15 ans pour l'égalité des droits et contre le racisme dans ce pays. C'est-à-dire que d'un coup, on est passé du registre du politique au religieux. Et le problème de fond est là. C'est-à-dire qu'on a éludé les questions qui se posaient, les questions politiques, les questions d'égalité concernant toute une jeunesse issue de l'immigration, et qu'on a mis dans le plat, pour occulter donc cet aspect politique, donc le religieux. Et là, à partir du moment où on est dans le registre du religieux, le débat devient complètement irrationnel et tous les vieux démons ressortent. Là, je suis d'accord. Et en fait, pour mon dernier mot, c'est que le problème de fond, que ce soit dans les sociétés occidentales ou dans les sociétés du monde arabe, les sociétés musulmanes, c'est le statut des femmes, encore une fois. Quelle place dans la société on accorde aux femmes? Et je pense que c'est aux femmes de régler cette question-là en se battant là où elles sont pour avoir une reconnaissance égalitaire de leurs droits. Merci Rabha Attaf. Restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Nous allons essayer d'ouvrir le standard pour essayer de recevoir
deux ou trois appels de nos téléspectateurs. Noum Ben, donc un dernier mot, une réaction? Un dernier mot, c'est que l'émancipation de la femme ne s'interdit pas, ne se contredit jamais avec le voile ou avec l'islam. Et s'il y a un problème avec l'islam, au lieu de le combattre et éviter le dialogue, il faudrait le comprendre. Et pour le comprendre, il faut s'adresser aux gens qui savent. Et les gens qui savent, il faut les trouver. Ce sera mon dernier mot. Ben, merci, Noum Ben. Hanan Karimi, pareil, réaction. Un dernier mot pour clôturer. Bah, pour clôturer, je dirais que si on veut comprendre cette question de voile ou pas voile, déjà, c'est de rendre la capacité d'agir à chaque femme. Et puis, le fait que le politique s'y mise dans le débat du voile, finalement, renforce... Hein, renforce les clivages et que c'est ce qui a coûté aux femmes musulmanes françaises, en tout cas celles qui sont voilées et qui, depuis 15 ans aujourd'hui, souffrent finalement de cette loi qui leur interdit d'aller à l'école et qui leur interdit tout court de travailler parce qu'aujourd'hui, être voilée et travailler en dehors du ménage, même quand on est voilée, c'est juste pas possible. Hanan Karimi, une situation de ce genre, une situation hautement politique de ce type, évolue toujours dans un sens ou dans un autre. Elle se dénoue ou elle se complique. À votre avis, en France, vers quoi allons-nous ? Alors, je pense qu'en France, on ne s'est pas attendu à justement le point sur lequel je travaille dans ma recherche doctorale, c'est-à-dire que les femmes elles-mêmes, finalement, ont du pouvoir en elles et qu'en leur interdisant l'école ou en leur interdisant certains champs de travail, à part ceux qui sont communautaires, eh bien, finalement, elles développent elles-mêmes des champs économiques. Et là, quand on parlera, quand ces femmes parleront, en tout cas, le même langage qui est le langage de l'argent, eh bien, je pense, comme les Saoudiennes qui viennent à Paris, ça ne posera plus de problème. Hanan Karimi, je crois que nous n'aurons plus le temps de recevoir des appels de nos téléspectateurs. Il me semble que nous avons un appel. Nous n'avons pas d'appel et donc nous arrivons à la fin de l'émission. Merci à Rabha Attaf, merci à Noum Ben, merci à Hanan Karimi. Désolé de ne pas avoir pu joindre Hassina Zegzeg. Merci d'avoir suivi cette émission. Salam alaikum. Khawala khair. Salam alaikum.